Salut tout le monde, alors vous l'aurez compris, aujourd'hui on va grimper sans les yeux. C'est quelque chose que je voulais tester depuis un bout de temps maintenant, depuis les championnats du monde à Bercy en 2016 exactement, en regardant les épreuves en escalade et donc en regardant notamment les non-voyants. Voilà, c'est impressionnant parce que c'est le tour des déficients visuels. Du coup, il n'y a pas un bruit dans la salle à part celui du partenaire qui guide. C'est tout Bercy qui fait pas un bruit. D'ailleurs, je vous mets un lien en description pour vous voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Donc voilà, je me demandais comment c'était possible de faire ça. Et on va donc essayer aujourd'hui pour se faire une idée, pour se rendre compte de ce que ça représente. Je pense que mon respect pour les grimpeurs non-voyants va encore augmenter d'un cran. Et puis, d'un point de vue entraînement, il y a des chances pour que ce ne soit pas inintéressant. En tout cas, si on y arrive un petit peu, on va voir ça. Donc, dans l'idée, je pense qu'on peut faire... On va essayer de le faire assez sérieusement déjà, mais on va faire... Les trois disciplines, on va dire, qu'on fait d'habitude dans le gymnase pour se rendre compte. Circuit, bloc, et on finit avec de la voix. Et l'idée, je pense, c'est pas juste essayer de dire « Ah bah oui, c'est dur, bon, on passe à autre chose », mais vraiment essayer de... Jouer le jeu à fond. Ouais. C'est pas forcément un outil d'entraînement, mais un jeu d'entraînement que tu peux faire quand toi, tu sais pas trop quoi faire, t'es un peu perdu dans ta séance. Bah du coup, tu pars là-dedans avec tes potes et tout de suite, tu t'amuses et au final, t'es pété. Donc ça, c'est cool. Ouais, c'est vrai qu'a priori, ça va faire bosser la rési, la conti, et la proprioception, et la mémorisation, et la lecture, et le schéma corporel. On est pas mal. Bref, on va bosser quoi. Ça m'a fatigué déjà. Romain dit que j'y vois trop avec ce masque. Là, c'est bon, j'y vois rien. C'est bon? Il voit rien. Ah, j'y vois. Je m'aiderai pas. Ils sont... Ouais, ça va, je l'ai caché. Du coup, l'avantage quand même qu'on a là, c'est un peu un échauffement quand même. Bon, là ça se voit pas, mais Romain connaît très très bien les circuits. Du coup, ça va plus être du par cœur dans un premier temps. Là. Ouais, ça c'est le départ. Attends, je suis en train de parler. Bon, oui, vas-y, d'accord, je te dis rien. Vas-y, pendant ce temps, je parle. Là, t'es sur une violette là, un pied droit. Si tu me dis rien, plus à gauche. Bah, je t'ai dit que j'allais continuer de parler aux gens. Et du coup, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, à droite, plus haut. Et du coup, le truc difficile, ça va être de. Filmer plus haut à gauche. Gauche, 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 gauche. Tout en donnant les indications. Et là, ça va parce qu'il connaît la voie. T'as un pied droit plus haut à droite sur le volume rouge. Là, à gauche, 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 gauche. Là, t'as un pied au-dessus de ça, là. Ouais. À la même hauteur, des... Ouais. Plus à gauche. Où tu vas? Quelle horreur! Là ton pied, là t'as la... juste au niveau de la rose, il est juste derrière entre les deux là. L'autre côté, l'autre côté. Plus haut, plus haut, plus haut, ouais. T'es dessus. Là c'est la boule, ouais. Gauche. Ouais. Descends. Droite. Oh monte. Ouais, tu as touché. Là t'es juste en dessous. Ouais, c'est bon. Plus bas. Là à droite, droite maintenant. En dessous. Ouais, c'est vers ton poignet là. Non. Alors non, garde le bandeau. Même pour tomber. Oh, descendre. Bah t'as dit qu'il fallait sauter. C'est hyper pétant. Je sais pas quand tu vas toucher le sol, mais chute, ça va être horrible. Bon, on va aller directement dans ce qu'on pense qui va constituer notre projet là pour cette rési. Donc moi ça va être la orange. Et Romain il va aller dans la bleue. Il y a pas mal de pas qui vont être un peu aléatoires. Ça va être chaud. J'ai en peur de prendre un coin. Tu veux pas m'aider là? Vas-y, t'as encore un mètre. Ouais, t'y es. Tu es juste au-dessus. Non, t'as pas de pied droit là. T'es à droite, t'es tourné tout autour. Allez, reviens, à gauche. Remonte, maintenant, tu la touches. Allez, t'y es. Oui. Hey, t'étais pas encore tombé? Non. Allez. Oh, voilà, perte des pieds sur le bidou, voilà. Oh. T'es sur le calmar, j'ai cru que t'étais en mono dessus. Oh putain. Excellent. Pied droit est bien plus bas que ça, 20-30 cm dans l'axe. Encore un tout petit peu plus bas, et là, hop, t'es allé trop bas. Là, à droite maintenant, droite. Là, t'as dépassé, à gauche. Ah, filmé, c'est infernal. Doucement, à droite. Top, descend. Juste au-dessus. Pied à plat sur le volume.
Allez. Plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Ah ouais. Ouais. Oh, dommage. Et t'as vu que t'as le réflexe à chaque fois d'enlever direct le bandeau pour voir ce que t'as fait. Ouais. Imagine, tu peux pas faire ça, quoi. Horrible. T'es vraiment débile. Oh, allez, allez, allez. Ouais, super, tu l'as vu. Quand t'as pas envie de tomber. Quand ça va être plus haut, ça va être tellement flippant. Pour bosser, c'est chiant, quoi, pour se recaler. Ouais, ça sent le zip, ça. Ouais, allez, 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 assez loin. Plus haut, ouais, gauche, 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 ouais, tu l'as. Change bien le pied droit très haut. Là, tu l'as dans la partie tout en haut du pied. Allez, les gars. Allez, 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 super. Tiens dessus. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. À droite, à droite, à droite, à droite, à droite. Là, t'es sur le pied du bas. Oui, merci, tu fais exprès. T'avais repéré ça, je sais très bien. C'était mes lunettes. Je rêve. Ouais, au-dessus là. Au-dessus. Y'a que ça de la façon. Allez, 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 allez. Oh, la reculade quand tu sais pas. Ah, ça va demander du boulot. Allez, mec, allez, encore, 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 encore. Allez, un peu plus haut à gauche. Super. Oh, le coup de cul tombe dessus. Bah, je lâche. Allez, 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 courage. Allez, elle est bonne et tout, là. Ouais, allez. Ouais, c'est horrible. Mais ça fatigue en deux heures. Quand on tombe sur une bonne grosse prise, tu sais, on sait que c'est pas ça qu'on cherche. On cherche une micro merde, mais on fait, ouais, allez, c'est peut-être ça. Il a pas dit non, c'est bon. C'est rude, cette histoire. Tac. Tac. Je t'ai rarement vu aussi bien le mimer, en fait, toi. Pas mimer que les mouvements, mais l'effort, l'espacement entre les prises, les mouvements de main, les mouvements de pied, vraiment. Le fait de ne pas avoir les yeux, on se force à aller dans des détails qu'on pourrait travailler normalement, quoi. Après, là, je sais pas si les distances sont bonnes, hein, quand je suis sur. Ouais, mais d'habitude, quand tu fais les mouvements, tu fais juste pif paf ouf. Le corps, il bouge même pas, les épaules, elles bougent pas. C'est vraiment juste les mains qui vont main droite, main gauche, main droite, main gauche, quoi. On va être fort grâce à ça, et qui l'a cru ? Juste tu cru. Juste tu cru, évidemment. Peut-être là, encore plus con, mais ça le tient mieux. Ouais, franchement, j'avoue que là, c'est pas mal. Pile poil. Dessus ? Ouais. Putain, mec. Ça enchaînement, là. L'enchaînement d'Aubé. Allez, les gars. Allez, mec. Plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Là, c'est la rose. À droite, à droite, à droite, à droite, à droite, à droite. Là, t'es sur la rose. Descends, descends, descends. Ah, putain. Allez, les gars. Oui, tiens, tiens, tiens. Descends, descends. Ouais. Oh merde! Non, non! Ah, c'est le seul que j'ai pas calé. Un petit temps de panique, en fait. C'est ouais. Un peu, il y a un peu de résil mental aussi dans l'histoire. Parce que du coup, tu t'enlèves un sens et du coup, t'enlèves pas mal d'informations qui pourraient te détendre, quoi. Et ton talon, là, tu le mets tellement mal. Ah ouais, ouais. Dis-moi, avant qu'il soit là. Ouais. Ah, est-ce que là, si ça zip pendant que je. Ah non, si tu sens que ça craint, tu me dis. Hein. Oh, bah c'était pour les cascades, c'était rigolo. Ouais. Non, au fur et à mesure des. Au fur et à mesure des runs, tu trouves des méthodes en fait qui te permettent de grimper plus efficacement. Quand tu vois, tu te rends compte que tu prends pas forcément le temps d'optimiser le mouvement comme ça serait le plus facile de faire, quoi. Allez, bateau. Ouais, t'es dessus, allez.
aller, mec. Allez, allez. Bien joué. Allez, gars, tu fais l'effort. Super. Allez, Jojo. Allez, pio, 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 pio. Ouais, ouais, ouais. Allez, encore, encore. C'est sur le sommet de la prise. Allez, encore, fais l'effort, fais l'effort. Allez, Jojo. Allez, oh, oh, tire, tire. Allez, tu gagnes. Plus bas, plus... ouais, c'est ça. Allez, allez, Jojo. Allez, 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 allez. C'est cool. C'est fou, j'ai quasiment à chaque fois le pied était nickel. Ouais, souvent nickel quoi. Tu fais presque pareil avec les yeux que sans les yeux. Non. Faut qu'on s'arrête là pour les boucles de résine, sinon on n'y arrivera pas à montrer autre chose. Bah après, dans le jeu, ça peut être marrant de continuer d'aller plus loin encore. Parce que là, tu vois, on a fait quoi? On a fait 2-3 runs chacun. Et on a déjà bien défriché le truc. Et ça pourrait faire avec un peu de repos, un peu plus de stratégie. Mais on enchaîne sur les blocs. Les blocs, j'ai l'impression que ça va aller vite parce que ça me paraît infaisable. Genre des mouvements dynamiques, adhérence, machin, ça va être l'horreur quoi. Soit on va vite se péter quelque chose. Soit on va vite abandonner. Je filme, oui. Je filme. Non, bah tu commences comme d'hab. Je viens de faire le dernier run de toute façon. C'est ton tour. Yes. Tu m'as dit d'aller dans ce bloc bleu, mais je le connais pas. Oh là là, si c'est moi qui dois te dire ce qu'il faut faire. Du coup, t'as ce que t'as en main là. Ouais. Les pieds. Du coup, t'as ça en pied. Je pense que moi, je partirais pied droit là-dessus. Ouais. Sauf que t'as pied gauche. Et tu vas à droite sur ça, là, effectivement, qui est à 3 heures plus haut, c'est ça. Qu'il faut que tu prennes au sommet de ça. Ah oui, c'est là. Tu te montes, tu fais talon-main, je pense. En vrai, il faudrait que t'aies le talon sur ce que t'as main gauche, en tout cas. Oui. Pour aller prendre la même prise à 11h, 10h, 10h30. Et après, hop, tu vas prendre des réglettes encore au-dessus dans l'axe. Elles sont côte à côte. Ok, c'est bon. Ouais, reste là-dessus et tu vas chercher la grosse main droite dans l'axe de ton genou droit, bien haut. Alors, la grosse main droite dans l'axe de mon genou droit. Ouais. Oh, je suis trop fort. Le temps que t'as... Le temps que j'ai mis? Ou le temps que t'as mis à comprendre ce que j'ai dit? Tu m'as dit dans l'axe de ton genou droit à la grosse, alors j'étais là, qu'est-ce qu'il dit? Bah oui. Oui, non mais c'est le temps que ton cerveau il comprenne. Ouais. T'en as un autre bien à gauche à la même hauteur. Plus bas, là tu l'as passé. Ouais. Ouais. Et là il faudra aller très loin sur un gros volume qui est à gauche. Ouais, tu l'as frôlé là. Encore plus loin. Yes. Ouais, allez gars. Oui. Allez Jojo. Allez, pose sur ton pied. Démarre. Allez, le pied droit, il faut le mettre très très loin. Oui, c'est ça, t'y es. Allez, t'as une réglette dans l'axe, pile au-dessus de ta tête. Nouveau de ton oreille. Ouais. Nickel, décale-toi. Écrase-toi sur ton tri-tri. Je vais où? Vers ton coude droit. Ouais, super. Ça? C'est ça, ouais. La grosse, c'est un pas bon. Tu peux ressortir ton pied gauche en pied main. Super, Jojo. Allez. T'as une réglette pile au-dessus de ta main. Ouais, dans l'autre sens. Et t'as l'autre, elle sera dans la hauteur au-dessus de ta tête. Là, je suis déjà en haut, là? Non. Plus haut, un pôle plus haut. Oui. Allez, Jojo. Allez, faut que tu ramènes sur celle-ci. Allez, Jojo, j'ai confiance. Allez, tu tiens. Et le bac, il est dans l'axe à gauche. Tu dois pouvoir l'avoir juste au-dessus. Yes. A vu? Non, à l'aveugle. Du coup, là, Romain veut partir sur run and jump. Je dis ça, je dis rien. C'est que j'ai peur pour mes dents, parce que j'ai peur de pousser sur le pied. Non mais franchement faire de la dalle là moi non quoi. Bah viens on fait le dévers alors. Ouais, allez. Il est bien collé au volume. Monte la main, allez.
Ouais, plus à droite, t'es trop loin. Ouais, là, ah, remonte. Ouais, t'es pas sûr. Ça va être l'enfer dans cette position à chercher. Oh ! T'as qu'à prendre le pied rouge, on dirait. Allez, allez, on va t'y appuyer le poil. Allez, je joue. Allez, ferme ton bras, monte-toi sur monte ton corps. Allez, je joue des mains. Tiens, juste plus haut, ouais. Allez, je joue, tiens. Ouais. Mais plus jamais, tu tombes dessus, quoi. C'est un jeu qui peut bien marcher sur des trucs type diff où t'as les prises à portée de main, mais dès que c'est un peu dynamique, ouais. Ça va tout de suite être vite limité et limitant dans l'effort, quoi. Allez, la pomme. Allez, tu vises 10 heures. Assez haut. Allez, assez haut, 10 heures. Oui, nickel. Ah, nickel. Là, jamais j'essaie d'envoyer sur le bac final, quoi. Il est trop près. Je sens qu'il est trop près. Yes, nickel. Allez. Ça fait trop peur. J'allais me jeter dans le vide. Je pense sincèrement qu'on peut conclure que le bloc, en tout cas, s'y prête pas des masses. Ouais. Voire dangereux. En plus là, quand t'en vois, si tu tabasses la tête là-dedans. Ah, les dents. Okay. Non, faut pas faire ça. Que ce soit plus des mouvements énergétiques type diff, quoi, plutôt que. Que des mouvements au hasard sur des adhérences flippantes et écouter à la tête en bas. Conclusion, ne testez pas forcément testez, le bloc. Pas approuvé. Il risque d'y avoir des soucis. On va essayer la voix. C'est une cuissarde. C'est une autre cuissarde. Bien, je suis en sécurité. Attends. Serre-le quand même un peu. Ouais. Non, mais c'est pas ça. Déjà, moi, en temps normal, je crois pas ce truc-là, ce système-là. Alors, sans voir où tu es, ça va être... Plus haut, à gauche, là. Si tu veux une blanche, c'est à droite, à une même hauteur à droite. Plus haut, ouais. Attention, 3, 2, 1, top. C'est horrible. Les mecs qui les guident doivent être sûrs, fort. Ouais, je pense déjà ils ont un entraînement commun, c'est pour bien se mettre d'accord sur le langage, sur le... Tombe pas au début parce que le rouleur, il aura pas le temps de se bloquer. Allez, je vais. Et l'inverser. À droite. Ouais. Mais je l'aurais prise main droite. Allez, un tout petit peu plus haut. Ouais. Ça c'est l'enrouleur. Ouais. Bravo. J'ai vraiment perdu le fil, je savais plus où j'étais, qui j'étais. Et t'es là, main gauche, c'est laquelle main. Ouais, ça fait bourriner, c'est cool. Hein. Je suis sûr que Fabi va le faire au sport-études. Hein ? Un peu de grimpe, les yeux bandés, t'as encore jamais essayé ça ? Bah, déjà la bouche bandée, j'ai du mal. Alors les yeux bandés, encore pire. Eh ben, c'est intéressant, ça fait bosser. Hein. Pas la technique. Mais le bibi et le gainage là. Ouais, ouais, bah surtout les descriptions étaient pas très précises. je dirais. On s'en rend compte, enfin. À gauche, oui, là, vers l'enrouleur. Ouais, c'était pas si mal. C'est bon ou pas ? C'est bon. Et c'est la bloc que tu fais, c'est 10 mètres à droite. C'est vrai ? Oui. Voilà. 10 mètres, mais c'est fou. Cette exagération permanente. We'll be right back.
plus à droite, il y a le triangle. Hop, ça. Allez, Johan, allez, allez, allez. Allez, tu ramènes. Allez, Jojo, allez, encore, 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 juste au-dessus. Oui. Allez, encore. Allez, dans là. Non. Oh, oh. Je suis fracassé comme si on avait fait une journée entière de, de résine. En plus, cela sert. L'idée, c'était que, vu qu'on a quand même grimpé avec un rythme ultra saccadé, ultra contracté, pas du tout relâché, c'était de terminer quand même sur de la vraie escalade, en grimpant comme il faut pour justement retrouver un peu des sensations de relâchement de... et que ton cerveau il s'arrête sur de bonnes sensations et pas sur du... Sur le rythme aussi, peut-être. Sur le, ouais, le rythme, la respiration, le relâchement, la précision des pieds, parce que là, ça a été le carnage. T'as vu que t'as mal au bras? Les bras ça va, mais c'est plus le... les épaules au du corps, ça a fait mal. Allez mec. Allez. J'ai senti qu'il y avait fatigue. Bah, pas moi. J'ai cru que jamais j'arrivais à faire la descente. Mais c'est de ta faute ça. C'est de ma faute, tu t'es bien fatigué. Ce sera pour demain. Conclusion, c'était pas mal. On s'est bien fumé. Je pense que c'est pas la technique d'entraînement la mieux. Ce qu'on disait, hein, il faut se terminer en refaisant après de la voie normale parce qu'on risque de prendre sinon des mauvaises habitudes. Mais voilà, c'est fun de temps en temps comme ça, mettre ça dans ta séance. Nous, on a eu plus de fun en faisant des trucs qu'on connaissait quand même en termes de grimpe. Mais par contre, c'était hyper intéressant de voir que, par exemple, moi, je suis une vie en lecture quand je dois guider Romain. Et Romain, il se débrouille mieux en lecture que moi, bizarrement. Du coup, ça doit y avoir un sens, ça doit être pour ça qu'il est meilleur aussi. Du coup, ça fait bosser la lecture, ça c'est clair. Ça fait clairement bosser aussi la mémorisation, ça fait clairement bosser la proprioception, ça fait clairement bosser les sensations dans les mains, dans les pieds. Et puis, ça fait bosser les bibis quand même. Donc on reste pas mal comme ça. Et puis là, ça fait bosser, parce que ça, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de mal, ça fait aussi bosser la respiration. En fait, on respirait très très mal. Du coup, le refaire en se concentrant sur respirer, ça peut être aussi intéressant. Voilà, t'es d'accord ? Tout à fait. Voilà. Et oui, on confirme que, par contre, on a essayé de faire du bloc, et c'est probablement un très bon coup à se faire mal. On ne conseillerait a priori pas aux gens. Ou alors vraiment des blocs très basiques où on reste assez droit, mais voilà, on bloque de nos jours, il faut faire des run and jump, des sauts sur le côté, se mettre en horizontal, la tête en bas. Ça, franchement, c'est un gros coup à se faire bien bien mal, donc on conseille surtout pas. Et pour finir, ça m'a beaucoup donné envie de voir ce que ça, comment ça se passe vraiment pour un vrai grimpeur non-voyant ou malvoyant. Voir comment il s'entraîne, comment communique avec son coach qui, j'imagine, du coup, doit s'entraîner très souvent avec lui, ou ils doivent avoir beaucoup de discussions sur comment communiquer entre eux, etc. Ça va être super intéressant. J'aimerais bien voir dehors aussi, etc. Dites-moi si ça vous intéresse, notamment, de voir ça. Faut qu'on recommence, ça enregistrait pas. C'est vrai ? Ouais. Tout le truc ? Ouais. C'est vrai ? Ouais. Tu mens. Oui. Dites-moi si vous voulez continuer à voir Romain Desgranges dans cette vidéo. Il est fatigant. 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 Et encore pire depuis qu'il a arrêté la compète. Beaucoup trop relax ce mec maintenant. Bon, à jamais, hein. Ok.